Je suis à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et je suis membre de l'Assemblée parlementaire au Conseil de l'Europe, ce qui me permet de parler souvent de droits de l'homme. Le soulèvement du peuple qui donna naissance à la République islamiste est devenu un amer souvenir car aujourd'hui, l'économie, on l'a entendu, l'économie est en crise, les institutions sont grippées, le pays est isolé sur la scène internationale et la jeunesse est désespérée, comme j'ai pu le voir récemment, certains d'entre vous sûrement aussi. Des jeunes qui ne travaillent plus pour trouver un emploi, mais pour avoir un diplôme qu'ils n'arrivent malheureusement pas à valoriser, comme l'a dit la présidente tout à l'heure, avec 40% de chômage, évidemment, c'est extrêmement difficile de leur promettre un avenir meilleur. Alors on a vu depuis décembre 2017 de nombreuses manifestations où les Iraniens sont descendus dans la rue pour d'une part exprimer leur ras-le-bol d'un régime totalitaire et d'autre part pour appeler de leur vœu un régime démocratique. Alors, chère présidente, vous représentez aujourd'hui l'alternative pour un Iran libre et vous comptez au sein de votre pays de nombreux soutiens. Ici, au CPID aussi. Vous savez bien. Vous êtes engagé pour défendre les droits de l'homme, les droits de votre peuple et donc aussi pour défendre les libertés élémentaires qui sont aujourd'hui bafouées dans un régime de dictature religieuse. Depuis quelques mois, le pari hasardeux du président américain Trump avec de nouvelles sanctions bouleverse la situation énergétique et financière du pays. Et d'ailleurs, et vous avez fait référence, on a du mal à comprendre la stratégie européenne qui pense toujours aux vertus du dialogue, mais peut-être effectivement une initiative française permettra d'avancer sur le sujet puisque le danger du terrorisme est réel et l'accord de Vienne sur le nucléaire est menacé. Cela fait maintenant quelques années que je soutiens le combat pour la liberté et la démocratie en Iran. D'autres Alsaciens l'ont fait avant moi, je pense à Émile Blessic ou à Adrien Zeller. Et je crois que votre combat, Madame Rajavi, est aujourd'hui soutenu par de nombreux Iraniens, de nombreuses femmes, on a parlé beaucoup des femmes ce matin, qui sont prêtes d'ailleurs à prendre des risques pour mener à bout cette, il faut bien l'appeler, révolution iranienne. Le grand peuple iranien... Le grand peuple iranien mérite d'aspirer à la paix, à la liberté et à la démocratie. Merci.